Hey, 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 salut les gens, salut vous, et bienvenue pour l'épisode crucial du Ugly to Beauty Legacy Challenge avec le visage de la souffrance éternelle. Oh my god, si belle, souffre, si belle et énorme, si belle a surtout envie de pisser! quelle intro de folie, je vous le dis. Hein, je devrais vraiment faire du spectacle. Oui, donc voilà. Et vous pouvez constater que Enguerrand et Daria ont déménagé dans la nuit. Voilà, hein, ils sont partis comme ça. Hein. Je l'avais prévu, je l'avais dit, je l'avais prévenu. Ils se sont barrés. Du coup, ben, on se retrouve en amoureux. Et attention, l'accouchement va démarrer. Bon, il n'y a qu'un seul berceau dans la chambre, c'est pas grave. Hein. Ils nous en donneront, hein, de toute façon. Et voilà. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Juste une petite chose. Enguerrand et Daria, je les ai fait emménager dans le même foyer que Brunhilde, comme ça ils seront tous ensemble, ils seront pas perdus et voilà, bon, ça peut être sympathique. 5h19, l'accouchement. Mais nous allons avoir un bébé, nous allons avoir un bébé. S'il te plaît, Louis, viens, viens ici, viens. Ah, combien de bébés? Ça y est, ça pousse. La seconde, troisième génération. Je suis paumée, je sais plus quelle génération c'est. Ou c'est la première ou la deuxième. Je ne sais plus. En tout cas. Pardon. En tout cas, Paris ne m'ira pas. Ouais. Et nous avons une fille. Ta-da-da-da-da. Ta-da-ta-ta. Alors, on avait dit qu'on recommençait à F. Et en F, pour fille, nous avons déjà utilisé fauve. Donc, j'ai maintenant Frida, qui est toujours, je vous rappelle, des prénoms d'origine germanique, comme les Théo Lorelai et comme le son Cybèle, Daria et tout ça. Après, ça peut être plus ou moins moderne, ou pas. Comme Enguerrand, c'est carrément pas moderne, mais c'était, j'aime bien. D'ailleurs, j'ai pas mal de prénoms assez vieux, et je trouve ça rigolo. Donc, voilà. Donc, nous avons une fille, pour l'instant, une. Allez, j'ai tout fait pour qu'on en ait au moins deux, hein. Donc, attention. Non. C'est une blague? Qu'est-ce qu'il a, lui? Panique préparentale. Mais c'est une blague? J'ai tout fait pour qu'elle ait... Elle était obèse comme pas deux et on a qu'un seul gosse? Non, là, je suis pas d'accord. C'est le fail de l'histoire, cette histoire. C'est le fail. C'est le fail. Bon, je t'ai dit. Tu vas la nourrir, tu vas l'allaiter. Retour de suite. Non, ouais. Toi, tu vas pisser. Voilà, hein. Vous m'avez énervé. Ah, je suis dégoûtée. C'est le fail. Le fail. Bon, toi, tu te tais. Tu me saoules déjà. Tu gueules trop. Je suis dégoûtée. Mais vous êtes d'accord avec moi? Elle était gigantesque. Ah, j'en ai marre. Mais moi, je vous le dis direct, hein. Vous allez... Je vais être vulgaire, mais vous allez baiser en masse, quoi. Vous allez baiser en masse. Parce que j'ai tout fait pour avoir deux enfants, mais c'est pas possible. Oh non, Coco a vieilli, j'en ai marre. C'est un fail. Oh, elle est redevenue vieille. J'en ai marre. Oh, pauvre Coco. Bon, tu l'allaites et tu vas faire de deuxième gosse tout de suite. Dépêche-toi, 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 toi. Tac, 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 allez, ouais, wouh, allez, allez, vous me faites perdre mon temps. Allez, allez, hop, 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 plus vite que ça. Non, mais vous savez ce que je vais faire du coup, parce que vu le fail phénoménal que nous venons de faire, c'est. Voilà, hein, caractéristique, alignement cosmique, fertile et débordante, façon des jumeaux. Ah non, mais là, à un moment donné. J'aurais dû le faire avant, j'y ai pensé en plus. Je ne l'ai pas fait. Parce que je suis quelqu'un qui est assez honnête. Zone de reproduction, augmente les chances d'aller mal. Mais dis donc, c'est pas mal ça. Quartier d'ado. Non. Lieu de fête.
Internet rapide, jeux d'enfants. On va laisser juste ça, hein. C'est pas mal. Voilà. Hein? J'en ai marre. Je veux des jumeaux. Ah, je suis dégoûtée, quoi. C'est pas possible, hein. Il n'y a jamais rien qui fonctionne comme j'en ai envie dans ce jeu, quoi. Non, mais vous dormez pas. Vous ne dormez pas. Et essayez de faire un bébé. Allez, zou, au charbon. Au charbon. Et toi, ma cocotte, je te le dis, tu vas être en cloque et très rapidement. Je m'en fous que tu pues, je m'en fous que t'es faim, meuf. Je m'en fous. Et l'autre aussi, Frida, elle peut pleurer sa race, je m'en fous. Non, mais punaise, quoi. Vous m'avez vu à quel point j'étais motivée, je voulais des bébés. Elle était en dehors d'une baleine, quoi. Allez! Allez! Les bébés! Allez! Zou! Plus vite que ça! Plus vite que ça! Allez, hop là! Un petit tour! Frida s'est endormie alors qu'elle pue la mort. C'est tant mieux. Toi, tu iras prendre une douche rapide. Et toi, tu iras changer la couche. Voilà, hein? Et après, tu iras manger. Allez, Zou, là, vous vous réveillez là. Allez, hey, je fais n'importe quoi. En vrai, je suis tellement dégoûtée. Mais je comprends pas. Pourquoi il n'y en a eu qu'un d'enfant? C'est quoi sa possibilité de jumeaux? Si belle se sent en pleine forme, ses chances d'avoir des jumeaux sont élevées. Mais ouais. Ben, il y a intérêt. Pas satisfaite! Séance de crac-crac médiocre. Est-ce que tu es enceinte? Tu vas manger avant. Tu vas manger avant. Toi, qu'est-ce que tu as? Félicitations. Oui, merci. Toi, tu manges. Ok, bon, vous allez vous sustenter et après, vous me faites un bébé. Faut pas déconner. Là, on a perdu du temps, là. Hein? Il est 9h du matin, vous allez accoucher à 5h. Ça fait 4h Sims, là. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut que vous. Hein? Hein? Vous vous reproduisez plus vite que ça. Moi, je veux des jumeaux, des jumelles, des. Tout ça. Tu vas draguer. Tu vas être désirable. Et toi aussi, avec elle. Essayer de faire un bébé, oui. Complimenter, oui. Tu vas faire un bébé, t'inquiète pas. Vous allez faire que ça dans cet épisode. Tu vas faire que ça, je te rassure. Tu vas tellement vouloir faire un gosse que tu auras une irritation de la zigounette. Ouais. Ouais, mon gars. C'est comme ça, la vie. C'est comme ça avec moi. Ouais, les gens. Ouais. Non, mais. Si, si, là, elle bouffe, mais il y avait les deux petites flèches. Regardez. Elle en cloque. C'est bon. C'est bon. Mais alors, je m'en fous. Vous allez recoucher encore ensemble. Parce que, hein, voilà. Parce que je suis comme ça. Moi, je suis une ouf. Moi, je veux des jumeaux et vous m'avez énormément déçu. Si bête, tu m'as énormément déçu là. Je suis tristesse. C'est pas parce qu'il y avait qu'un seul berceau dans ta putain de baraque qu'il fallait nous faire qu'un putain de gosse. Voilà, hein. La vulgarisation, hein, parce que là je suis vénère. Là je suis vénère, je vais vous faire la vie dure. C'est comme ça. C'est la vie. Allez! Allez! Au charbon là! Irritation de la quéquette! Allez, zou! Sors de là, Louis! Hop! Tu vas faire kiki quéquette avec ta femme. Voilà, parce que là, nous, on n'a pas le temps à perdre. On n'a pas le temps à perdre, on a dit. On n'a pas le temps à perdre, on a dit. On n'a pas le temps à perdre, on a dit. Ah! Je suis vénère. Allez! Allez! Plus vite que ça! Frida va bientôt se réveiller! Allez! Tac, 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 tac. Bisous, quéquette, bisous, quéquette. Ouais, merci, Adélaïde, de cette notification. Bon, allez, je veux bien que vous fassiez une pause d'irritation de la quéquette là. Pour valider. Youp là! Youpi! Youp là! Youp là, boum! C'est le roi du pain d'épices. Tu vas lui faire un baiser passionné. Voilà, l'autre s'est déjà réveillée. Tu vas lui changer la couche. Tu vas la babiller. Tu vas la bercer. Voilà! Maintenant, c'est fait. On va faire un bisou.
miaou. Donc elle est enceinte à midi et on est reparti pour une grossesse multiple. Et vous voyez, non mais franchement, elle a déjà un vœu tellement énorme quoi. Elle était pas si grosse de base hein, quand même. Mais t'es chiant Louis, putain. Mais va faire ta life là. Vas-y, va jeter, va faire machin. Tu laisses Cybelle faire sa life avec Frida. Hein? Oh, mais non, mais laisse-la tranquille, cette gosse. On t'a rien demandé. Toi, tu es le reproducteur, tu vois. Tu nous sers pas à grand-chose. Non, je rigole. On s'intéresse qu'à tes gènes. Le nubu. Ah, la séance de kékette était spectaculaire. Ça rattrape, hein. Non, mais vas-y, commence pas à faire nawak, Cybelle, hein, parce que là, ça va pas être possible. Hein. Et puis, tu vas nous faire un bouquin. T'es romantique. Excusez-moi, j'ai les chats qui se battent à côté de moi. Tu vas nous faire un livre. Ah, bah, une nouvelle, d'accord. T'as pas encore les possibilités de faire des trucs en jôleur. Non, Coco, toi, tu vas pêcher, hein. On va pas déroger au règlement. Tu vas pêcher comme d'habitude. Pêcher avec un appât, avec un saumon. Et après, tu vas pêcher avec un appât, un poisson combattant. Et là, il y a un chien qui se... C'est biscuit. C'est cool. Bon, alors là, on est saoulés. Hein. Il y a Frida qui fait chier. Bon, écoute, tu vas aller... voilà. Louis qui nous attrape une fleur, c'est super. Tu vas aussi sortir du coup avec Cocotte. Parce que Cocotte... Ah non, je sais jamais. Plus de choix, amical. Mais... C'est où? Je suis perdue. Je voulais que tu... non, c'est ça. Promener. Ah, voilà. Durée moyenne. Et puis, on est débarrassé. Alors, Louis nous attrape des barres. Il chope des barres. C'est cool. Voilà, on fait la petite promenade avec Coco. Coco, elle a pris un coup de vieux. On voit un peu le quartier aussi qui est vraiment super mignon, quoi. C'est vraiment agréable. Eh, on se voit ce soir? Non, mais par contre, c'est bientôt l'anniversaire de Frida. On va faire peut-être une réunion. On va rentrer et on va faire une réunion. Comme ça, on va gagner des points. Et on pourra inviter d'autres personnes. Oula! C'est biscuit. D'accord. Allez, tu peux rentrer. Pour l'instant, tout va bien pour tout le monde. T'as faim? Ouais, on va rentrer. Voilà, j'ai lancé la réunion de groupe de la familia. De toute façon, lui, il pêche. Oui, mais tu peux pêcher, s'il te plaît, avec un appât. Tu vas bientôt devoir faire pipi. Ok. Frida, elle est toujours dans son berceau. Elle moufte pas. C'est parfait. Donc, j'en suis où avec le groupe, là? Ah, je suis pas avec la bonne personne. 244. Ok, donc on pourra... Il faut gagner des points, hein, parce que sinon... On pourra pas trop rajouter des trucs, faire une imitation. Tout. Ce que vous aimez pour les centres d'intérêt. Puis comme ça, voilà, on voit les gens et tout, c'est sympa quoi. Sachant que maintenant, on recommence un peu à zéro. Ah, nouveau poisson. Cool. Adélaïde! On va te partager la grande nouvelle aussi. Sache que tu sais que en fait, on a accouché. Hein? On était certaines. On était certains d'avoir des jumeaux. Et puis, on n'en a pas. C'est quand même pas de bol. Le fail, quoi. Lui n'a plus de marguerite. Ok. T'as quoi d'autre? Parce que là... Ah, mais ça va. Il a pêché des trucs, quand même. Hein. Bon, par contre, il a... bien besoin d'aller faire pipi. Donc après on va le faire rentrer quoi. Non c'est pas ça, c'est ça que je voulais faire. Voilà. Et après il pourra rentrer. Il pourra aller aux toilettes. Utiliser les désinfectés. Et il pourra manger aussi. Oh là là, Coco a faim.
Coco a faim. Mais bah, elle mange, c'est parfait. Oh, et Brunhilde va s'occuper de sa nièce. C'est fantastique. Mais elle va bientôt grandir, Frida, déjà, il me semble. On pourra voir la bouille qu'elle a héritée, les yeux. Quels yeux et quels cheveux aussi. Ah, tu dois aller pisser, toi. Attends, tu vas aller dans la chambre parce qu'il y en a un qui va bientôt rentrer à la maison. Hop. Toi, t'as mangé, au moins, c'est ça. Très bien. Bon, après, il faut gagner des points, là, les gens, hein. Il faut gagner des points pour le groupe. Voilà à quoi ressemble un homme qui court quand il est au bord de se pisser dessus. Ah, ça y est, il accélère un peu, parce que là, franchement, t'étais pas arrivé, hein. Allez, mon gars. C'est bientôt fini, là. Tu vas pouvoir te goûter à la délivrance du pipi. Mais si. Bon, Frida est de nouveau réveillée. Alors, il y a un truc que c'est vrai que j'avais pas relevé concernant Fauve. C'est que. Il me semble qu'elle avait. Non, ah bah non. Mais elle est plus, elle a plus de forme que ça, que Lorelai par exemple. Et parce que Adelaide était assez plate de dessin et tout machin. Et en fait, elle a un peu plus de forme. En tout cas, elle a la taille et les hanches un peu plus marquées. Après, c'est vrai qu'elle a pas de fesses et pas de seins. Et elle a les cuisses un peu fortes. Donc ça, elle a été traitée de Lorelai. Mais en tout cas, ici, c'est un peu plus fité, quoi. Voilà. C'était juste comme ça. Est-ce que Frida va bien? Oh, Enguerrand, il s'est bien occupé de sa nièce, dis donc. C'est sympa. Bravo. Ça fait plaisir. Sinon, voilà, partager la grande nouvelle, hein, histoire drôle. Il est un peu minuit. Il est un peu minuit, ouais, on va peut-être mettre fin à la réunion. En plus, elle est crevée. Donc, je finis de faire ça et après, c'est toto. Allez, hop! Fin de réunion. On était à 244 points. Je ne sais pas où on en est. Mais moi, je sais que j'en sais. Ah non, c'est bon. Tu te réveilles, Louis. Non, parce que bon, tu vois, elle est peut-être enceinte déjà. Comment elle s'appelle? Cybèle. Mais c'est pas une raison. Vous allez remettre ça. Hein. Ah ouais, non, mais ouh, ça va bien, oui. Faire crac crac. Ah non, parce que je cherchais faire un bébé, mais elle est déjà enceinte, voyez-vous. Donc on est toujours qu'à 244 points? Mais non. Vous pouvez mettre à jour, s'il vous plaît. Ok, bon, bah, c'est pas grave. On verra ça plus tard. Moi, ça me déprime maintenant. Je vais plus me fier à la taille du bidon, parce que quand on voit comment elle est grosse. Et puis, ben. Il n'y avait qu'un seul bébé, quoi. Bon, c'était le fail, en tout cas. Voilà. Là, logiquement, avec le truc de terrain, et je vais refaire la même chose, c'est-à-dire, voilà, on refait crac-crac pendant qu'elle est enceinte, elle va re-regarder des programmes pour enfants et compagnie, et puis, ben, on espère très très fort que cette fois-ci, il y aura des jumeaux. Enfin, des jumelles, quoi. Hein? Je préfère avoir des jumelles. Puis, il y a plus de choix pour les relooker, tout ça. Donc, c'est plus sympathique. Bon bah allez, moi c'est là-dessus que je vais vous quitter. J'espère que cet épisode un peu épique, fail, comme vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous très vite pour le prochain épisode. Je vous embrasse très fort sous une pluie de... comment ça s'appelle? De spectacle. Bref, de feux d'artifice. Allez, bisous à tous, à très bientôt. Allez, salut!